Ce résumé vous est proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Bien fait ça. Et là. Oh, ça rentre. Ça rentre tout simplement. Matteo Darmian. Et c'est pas volé. Pas du tout d'ailleurs. Parce que les intérêts de Conte ont été les plus dangereux. C'est Lukaku en personne d'ailleurs qui va lui taper dans la main. 0-1 pour l'Inter. C'est très souvent passé aussi côté droit. Hein. Oui, tout à fait. On l'a répété. C'est par deux fois déjà avant le but. Mais il y a des constantes. Hein. Ici, il faut... mon avis, régler le problème Lukaku pour les Allemands et aussi cette liberté laissée à Darmian qui pour la troisième fois rentre dans le dernier tiers et cette fois-ci fait mouche. Lukaku qui est parti tout droit comme il adore, c'est superbement bien fait de la part de Lukaku. Est-ce que la suite va donner quelque chose pour l'Inter? Il y a une deuxième possibilité mais il n'y a pas de but. Ça commence à faire beaucoup pour l'Inter. Et attention à ce ballon, c'est parti très fort et voilà la première intervention importante d'Andanovic. Une deuxième maintenant et peut-être le réveil tout simplement du Borussia Mönchengladbach. Il y a de l'espace. Oui, il y a de l'espace qui commence à se créer avec Thuram. Thuram pour la frappe. Andanovic, superbe, la main ferme d'Andanovic. L'Inter, qui n'est pas dans le dur, mais qui connaît une fin de première mi-temps un peu plus compliquée. Regardez, il y a l'égalisation tout simplement. Bien sûr, encore un but de Pléa. 1-1 juste avant la pause. Gladbach est en train d'anéantir les plans de Conte. Pléa, bien sûr, qui d'autre, Xavier? Ouais, c'est bien fait ça, oh, c'est le poteau. Ah, Martinez, il n'a pas de chance aujourd'hui. Il n'a pas de chance parce que quand les choix sont mauvais, ok, c'est pour sa pomme. Mais là, le choix était le bon. Ouais. Et c'est le poteau qui vient sauver Yann Sommer. Quand on voit la profondeur du banc de l'Inter, on se demande quand même que si on ne peut pas faire mieux sur la scène européenne. Il est là, Lukaku. Voilà. Il est là, Romelu Lukaku. Superbe. Oh, ça c'est un superbe but, non seulement dans sa conception, mais c'est un but terriblement important. L'Inter est toujours en vie et c'est super pour Lukaku qui le mérite ce but hein, parce qu'il a été dans tous les bons coups. Et là, du Lukaku comme on le connaît, en puissance, en force, en précision, Xavier. Ouais. Franchement, on est belge, on est content pour lui, mais regardez d'où il part. Ouais, mais il a fait ce but lui-même, hein, tout seul. On sait que Gladbach adore hein, les transitions et aujourd'hui bah, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion d'en avoir. Attention à ça, ça va être la balle de but et c'est Romelu Lukaku qui donne la victoire, on peut le dire maintenant, à l'Inter. Le doublé et l'explosion de joie évidemment de Conte. Romelu Lukaku, l'homme du match, l'homme de tous les instants, qui plante un deuxième but dans ce match, son quatrième dans cette Ligue des Champions. Quel joueur. Ouais, voilà, là ça se trouve beaucoup plus facilement.
Attention tout de même à ne pas aller en prendre un deuxième qui permettrait au Borussia d'y croire. Mais quel match! Quel match de 3 Pléa! Eh bien, quelle soirée de fou! Ça va dans tous les sens. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.